Mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une aventure sur le jeu Chaud Chaud Charlie. Un petit jeu d'horreur que j'attends depuis un petit moment. On attaque immédiatement. J'espère qu'on va avoir des sensations fortes. Allez, on va se mater l'intro. Let's go. But something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, you, it'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Merci la petite porte pour tes 5 mois d'abonnement à la chaîne. Merci beaucoup. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider. Salut Proxy. Merci pour le raid, ça fait super plaisir. Merci Paulet. J'espère que tu vas bien. T'as passé un bon stream? Ça a été? Et bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, on est en pleine découverte du coup du jeu Chaud Chaud Charlie. Un petit jeu d'horreur qui est sorti hier. Faites vos premiers pas. Ouais, bon, tu vas pas m'apprendre à me déplacer quand même. Putain, c'est bon quoi, je connais. Non? Ah bah non, apparemment non. Ah, il faut que je mette mon clavier en anglais, putain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah putain, fais chier, c'est pas vrai. Attends, tac, tac, nickel, c'est bon. Ah, tout qui... ça y est, tout qui est cassé. Bon, bah, c'est le bordel. Ah! Putain! Y'a tout qui est cassé! C'est bon là, ça va mieux? Merci pour le raid, Proxy, ça fait super plaisir. J'ai vu que t'étais sur Subnautica ce matin. C'est un de mes jeux préférés. Vraiment, j'adore Subnautica, c'est un de mes jeux préférés. J'espère que tu t'éclates bien sur cette aventure en vrai. T'en penses quoi, dis-moi pour l'instant. Interagir avec les objets. Clic gauche pour interagir avec les objets. Tu es un objet? Ok, bon. One of the train operators was killed early on by the beast. So his old engine should be in there. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Putain, y'a un sacré cardio le grand-père, la vache! Putain, mais même moi je cours pas aussi vite! Non mais sans déconner, hey, mais je vais faire une attaque si... Non mais je vais faire une crise cardiaque. Ce spring burst infini quoi, je te jure, la vitesse quoi. Incroyable. Non mais attends, hey, je vais essayer de me réveiller dans une classe parce que j'ai dû lui faire peur pour qu'il parte en courant aussi vite là. C'est pas possible. Tout s'est bien passé, on était sur ce petit cas et oui c'est cool. Même si il y a eu un incident... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Un incident dans le jeu ou pas dans la vraie vie j'espère? Dans le jeu il y a eu un accident? Je veux tout savoir, dis-moi, si c'est dans le jeu en vrai. Ah, t'es là? Putain, j'ai cru que jamais je te retrouverais en vrai. Ah, shucks, it's locked. Diantre, c'est verrouillé. Diantre! Not to worry, we can pas d'inquiétude. There's a small shack up the path that might have a key. Ouais, mais bah, par contre, s'il te plaît, pars pas en courant parce que moi, je vais pas te retrouver hein, si tu refais ça. Ah bon, si j'ai une carte, c'est bon, tout va bien. Essaye de trouver la clé là-haut. Je veux fouiller en bas. Alors, c'est quoi? Ouvrez la carte. Ouais. Ouf. J'étais pas prêt. Ok. La flèche bleue indique votre position actuelle. Ouais. Les lignes blanches représentent le réseau ferré. Les flèches rouges représentent le séparateur de voie. Les PNJ et les missions sont marquées sur la carte. Ajoutez des points de passage pour voyager plus rapidement. Mais moi, cette histoire de train, tu vois, ça me fait penser à Zelda. C'est quoi déjà? C'est Spirit... Y a un Zelda ou t'es dans un train, justement? Ça va être un peu ce délire, là, non, du coup? Spirit Track? Ouais, Spirit Track, hein. C'est ça, hein. Me suis fait TP à 1000 mètres de mon Simot par un vieux mob. Oh putain, j'ai eu un délire comme ça. Attends. Ah, les mobs qui te téléportent, c'est ça? Ah putain, 1000 mètres, c'est chaud. Moi, j'ai eu un bug proxy.
C'est à un moment donné, j'ai eu un... Ah bah attends, putain, je vais rien dire, parce que ça se trouve, je vais te spoiler. Je sais pas où t'en es dans l'aventure, donc je préfère rien dire, en vrai. Ça se trouve, il y a des créatures que t'as pas encore vues, donc je préfère rien dire. Mais bon, en gros, il y a eu mon Simote qui... Il y a une bait, en fait, qui a tapé contre mon Simote, et mon Simote a été projeté, a été glitch, et s'est retrouvé à 4000 mètres. 4000 mètres, no joke, vraiment, 4000 mètres de moi. Je te jure, un délire. Consultez les objets que vous avez récupérés en appuyant sur I. Clé de garage, la petite clé en or, blablabla. Ok, nickel, on a récupéré la clé, c'est cool. On va retourner voir notre pote. Let's go. Quoi, c'est I pour l'inventaire. Ça, c'est bien, ça bouge pas. Ça me rappelle ma jeunesse au Zelda. Mais moi, c'est pareil. J'ai fait ce Zelda quand j'étais en vacances, c'était trop bien. C'est la journée quand il faisait trop chaud. Je restais à l'intérieur et je jouais à Zelda, et puis dès qu'il faisait un peu moins chaud, j'allais à la plage. Pour éviter de cramer, tu vois. Alors ? Hey, that's what I'm talking about. She's an oldie but a goodie. I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside, see what we got to work with? Ouais. Mec, ils se mettent bien ici, dis donc, je vois. Je peux sauter? Ouais, je peux sauter. Ok. On va faire un tour là-haut. Oh, merde. Bon, c'est pas grave. Votre train épique. Utilisez-la pour parcourir rapidement l'île. À la fois une arme et un bouclier contre vos ennemis. Vos points de réapparition si les choses se corsent. Interagissez avec les objets autour de la cabine pour apprendre à les utiliser. Ça me fait penser à la carte dans Raft. Amélioration. État du train. Vitesse. Dégâts. Armure. Oh, c'est trop bien, tu peux améliorer du coup, ok. Réparer un débris, niveau 2-3. Ok. Cool. Putain, je sens que ça va me plaire. En vrai, je sens que ça va me plaire, ça. On est vraiment sur Spirit Track, mais version horreur, quoi. C'est trop bien. Ok, plateforme de tir. Viser, utiliser le bouton d'action pour tirer. Ok, les armes sans reste si c'est utilisé pendant trop longtemps. Les armes ont des munitions illimitées. Nouvelles armes peuvent être remportées ou en accomplissant des missions. Très bien, ça marche. Putain, tu m'as fait peur. C'est tout? C'est bon? Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be in that gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island. Salut, ta gueule, ça roule ou quoi? Looks fun to use. Fais gaffe, en bas à droite, tu as normalement ta vie, tu risques de te faire des dégâts autres que le train, non? Ouais, sûrement, ouais. We can light up Charles with it and take him. J'ai déjà perdu de la vie parce que c'était un peu trop haut, je me suis un peu éclaté la cheville. Ça va Kirou, tu vas bien? Comment vas-tu? Are you ready to take this thing for a spin? Le levier central sert à faire avancer le train. Le levier de gauche lui permet de faire reculer le train, désactiver durant le déficiel. Le levier de droite permet d'arrêter le train. Descendre du train en marche arrière immédiatement. Et donc ça c'est avancer. Putain de merde! Qu'est-ce que tu vas lui mettre des coups de poing? Non mais le vieux il est en train d'essayer de lui mettre des coups de poing quoi, sérieux! Incroyable! Je te jure, le vieux il veut lui mettre des coups de poing! J'ai perdu mon seul ami! Non, c'est terrible! J'ai perdu mon seul ami! Le mec s'est fait becter! Incroyable!
Je te jure. Ah, comment il s'est fait déglinguer, le pauvre. Mais non. Non, mais je pense qu'il faut que j'aille dans ce sens-là, en vrai. Hein. À mon avis. Attends, 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 attends. Rad, y'a une caisse, là. Attends, je vais voir ce qu'il y a dans la caisse. Mais regarde, il y a une caisse. Il y a une caisse jaune, du coup il y a forcément un truc dedans, non? Je peux pas sauter là? Ouais, c'est bien ce que je disais, je suis pas fou! C'est quoi? Qu'est-ce que je viens de récupérer là? Est-ce que ça me sert à améliorer mon... Ah, j'ai récupéré 6 débris! Ok. Donc là, il me faut quoi? État du train, 72%. Un débris pour réparer. Vitesse augmente la vitesse maximale avant et arrière, augmente les dégâts de toutes les armes. Réduit tous les dégâts subis par votre train. Donc dès qu'on voit une caisse... Dès qu'on voit une caisse, du coup... Il faut donc qu'on aille la récupérer. Ok. Ensuite, donc augmente la vitesse maximale. On va réparer. Et on va garder des débris sur nous quand même, au cas où. Hein ? Salut Arcagon, tu vas bien ? Mais non, il existe vraiment ce jeu. J'avais vu il y a un moment sur TikTok. Oh bah ça y est, il est sorti hier. Je te jure. Bon, on va aller voir si on peut pas voir le vieux là, du coup, vite fait. Fais une petite marche arrière. Ah putain, attends, il est là. Stop. T'es pas censé se terminer ainsi. Les œufs. Trouvez mon fils. Varg, tu n'as pas honte d'écraser ton ami? J'ai rien fait. Ouais, j'ai rien fait, putain. On a rien vu. Oh putain, ça craint. Ça craint, putain. Bon, il faut ouvrir les yeux. Hein, du coup, on ouvre les yeux, il y a forcément des caisses à récupérer. À droite et à gauche. Eh, moi je sais pas vous, mais alors je kiffe le jeu, mais déjà, mais direct en vrai. Moi ça me fait penser à Spirit Track. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment très cool. Si vous voyez des caisses, vous me le dites, hein. Il doit forcément y avoir un truc là. Ça a l'air grand, n'empêche. Ah, ça a l'air grand. Graphiquement, ça va, c'est sympa. J'aime pas les pattes de l'araignée. Mais c'est pas une araignée, c'est un train avec des pattes. C'est pas une araignée. C'est pas une araignée, je te jure. Tu mens. Non, je mens pas. C'est pas une araignée. Non, y'a rien là? Ok. Allez, on est reparti, on met le turbo, let's go! Y'a des bruits chelous là. Ça me plaît pas trop là. C'est quoi ces bruits? Changement de rail. Attends! Le panneau indique la séparation des voies sur le chemin. Le signal lumineux. Au niveau de la séparation indique la direction de la voie. Arrêtez votre train et interagissez avec le levier au sol pour modifier la direction. On peut aller soit à gauche, soit à droite.
Ça, c'est grand. Après, heureusement que c'est grand, hein, sinon on aurait vite fait le tour. On va à gauche. Ah, il se passe quoi du coup si je laisse mon train partir? Là du coup le train il nous fait aller. Non, on va aller à gauche. Ou à droite. Oh, je sais pas. Vas-y. On va aller à droite. Je me sens mal quand tu as pied comme ça. Quand je suis en train de marcher. Regarde la map. Ouais. Il y a plus de trucs à faire sur la droite. Le jeu est génial en vrai. Salut Vika, ça va? Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Des débris sur le balcon de la maison? Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. As a side note, talk to anyone around here and they'll do whatever they can to help. Anyone sympa. Not wearing a mask. Première fois qu'on se voit, elle veut déjà me donner plein de trucs et tout. Trop cool, hein? Check out the balcony and take whatever you can use. Good luck with everything. Elle est trop cool. Oh. Ah ouais, c'est cadeau. Neuf débris. Mission terminée, vous disposez désormais de ressources. Retournez à votre train et faites quelques améliorations. Interagissez avec le plan de la cabine pour pouvoir améliorer les trucs. Ça roule. Nous avons été. On ne peut plus patient. Mais les derniers jours ont été pour le moins chaotiques. Charlie a été plus agressif ces derniers temps. Au point que je commence à craindre qu'il ne reste plus grand monde lorsque l'aide arrivera. Bon courage Eugène, on compte sur toi. Oh, chochotte! C'est pas vrai! Je me suis cassé la cheville encore, c'est terrible! Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Armure, réduit les dégâts subis par votre train. Ça, il faut qu'on l'améliore aussi en vrai. Augmente la vitesse maximale avant et arrière. Ouais, bon, allez, ça roule! Elle vit plutôt bien pour quelqu'un qui habite près d'un train régnier. Ouais, j'avoue. Attends, au niveau des ressources, là, c'est à peine le début de l'aventure et je peux déjà améliorer à balle mon train. C'est insane. Voilà, par contre, je sens qu'on va avoir des ennuis. Merci les amis. D'ailleurs, du monde ici, j'ai vu quelqu'un là. Salut toi, ça va? Toi aussi t'as des ressources à me donner? Mais y'a des ressources partout, regardez, y'a des ressources là-dedans là. Look, kid, I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Qu'est-ce qu'il a au niveau des bras? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il a là? On dirait que
on lui a fait une greffe de bras. Non, vous trouvez pas? Ses bras glitchés, ouais, je te jure. On lui a fait une greffe de bras. Ce ne sont pas ses bras. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. I might just give you some scraps to help improve your train. Putain, mais je vais avoir montré au niveau max alors que j'aurais vu Charlie qu'une fois, quoi. Tac. Ok. Elle est où la fameuse caisse dont il parlait? Il a dit qu'il avait une caisse derrière, hein, c'est ça, hein. Ah, elle est là-bas. Cool. Là aussi, on a peut-être des trucs. Non, là, on a déjà récupéré. Et donc là, c'est la fameuse caisse. Ah, tu recommences à zéro ? Ah ouais, t'as pas intérêt à te merder, hein. Non, vas-y, tu te fous de ma... Allez. Mais non, mais putain, mais c'est pas vrai. Au secours. Il est où le joueur de BD, là? Ah, mais c'est catastrophique, hein. T'as vu ça? Mais tu te fous de ma gueule. Totalement. Ah, mais c'est lamentable. J'ai eu peur qu'il y en ait un quatrième, là, je vais me dire, mais attendez, là-haut. Qu'est-ce que je viens de trouver? Objet critique récupéré. Retournez voir Daryl pour terminer la mission. Je suis sûr qu'il y a un truc dans ce train là. Non, on y a rien. Déçu. Pas des compos cachés par ici aussi? Là, il y a des compos cachés. Ok. Oh, je pense que j'ai... Oh, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait à mon avis là. Ouais, c'est bon, on a fait le tour. Non mais attends, j'ai à peine sauté de... Putain, tu fais un saut d'un mètre, ça y est, tu te pètes la cheville, quoi, c'est terrible. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd looking piece of junk you found inside there. Bit of a letdown, to be frank. But you earned my respect, so here's some scraps, like I promised. Merci. Je me retrouve avec une cinquantaine de débris, là, non? Quatre mille heures sur DVD à faire des QTE, quand même, hein. Je te jure. Bon, attends. Ça, ok. 37 débris! Non mais attends, c'est insane! Regarde, on est au début de l'aventure, j'ai déjà mon train qui... J'ai déjà les dégâts qui sont à moitié, quoi. J'ai déjà les dégâts de branque, c'est insane. Ça, ok. C'est genre, le... Genre là, tu vois, le jeu vient de démarrer, ça fait 27 minutes, c'est déjà le truc qui est à moitié, quoi. Bon, attends, il y a un truc là-bas, là, non? Ok. Oh merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, it is slightly Ah, effectivement, ouais, c'est pas terrible. Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. Cute dang. Oh le boulet. I would love to save the shed though. T'as un extincteur? If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can take it. Ça pourrait être pas mal en vrai. Si on pouvait voir l'ensemble, effectivement. Like
Ouais, un petit lance-lame là, ça pourrait être pas mal en vrai, c'est clair. Merci pour le follow les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Nat, merci beaucoup pour tes 5 mois d'abonnement à la chaîne avec le Prime, c'est super gentil Nat. Merci à toi, excuse-moi de le voir que maintenant. J'espère que tu vas bien et merci de ton soutien. Peau de peinture orange ajoutée à votre train. Utilisez-le sur votre teint pour modifier la couleur. Ouais, bon, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lance-flamme. Où est-ce qu'il est ? Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Woohoo! C'est vrai que t'aurais pas pu y penser. C'est vrai, effectivement. Non, 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 faire marcher mon cerveau 2 secondes, non, c'est pas possible. Prenez ce bon vieux lance-flamme à cause de ça. Je te jure, non, mais le mec. Oh, il y avait un réservoir d'eau juste au-dessus de l'incendie. Je n'avais pas pensé du coup à utiliser cette eau, effectivement. Oui, oui. Pour être RP avec le jeu, tu dois toi aussi parler sans bouger les lèvres. Papa, oh, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, je n'ai pas assez de compétences pour ça, voyons. Prenez ce bon vieux lance-lame. Je ne veux plus qu'il puisse s'immiscer ici. Allez, vas-y. Je te débarrasse de ton lance-lame, mon pote, ça roule. Ça roule, ça roule. Lazim, salut poulette, tu vas bien, ça roule. Eh ben, moi, écoutez, je vais vous le dire, les amis, pour l'instant, j'aime bien. Vous savez, je suis devenu assez dur avec les jeux maintenant, mais pour l'instant, j'aime bien, je m'amuse. C'est drôle. C'est bon, pour l'instant, il n'y a pas le côté horrifique, hein. Hein, il n'est pas encore présent le côté horrifique, mais pour l'instant, je trouve que c'est très drôle. J'ai l'impression que c'est fait exprès, hein. C'est un peu en mode parodie là pour l'instant et j'ai l'impression que c'est voulu, hein. On va voir s'il n'y a pas encore d'autres bricoles à récupérer, peut-être sur le toit, non. Là-haut, nous avions fait le tour. Ah, y'a rien d'autre? Ah, je pense que c'est bon. On a récupéré du coup tous les débris qu'il y avait récupérés. On peut retourner à notre train. Et donc, on a un lance-flamme maintenant, c'est trop bien! On va se mettre en orange, on nous verra moins comme ça, hein. Le lance-lame, comment je fais pour le... Attends. C'est quoi ça? Lance-lame. Oh. Alors. Dégâts, portée, ralentissement, cadence de tir. Cadence de tir bien plus élevée. Le ralentissement est insane. La portée est naze, les dégâts sont pas terribles. Donc mitraillette à distance. Et lance-flamme quand nous sommes contact. Voilà. Salut Lutagadiz, tu vas bien? Merci pour tes 7 mois, un très bon samedi à toi également. Merci à toi, merci de ton soutien. Des trésors. Bon, elle est où la salvate? Il y a peut-être du monde ici, non? Des choses à récupérer, ok. Tout bon. Ah, attends, j'avais pas vu ça. Nickel. Oh. Une mine. Je vous jure, il y a une mine ici. Par contre, c'est verrouillé. On va checker sur la carte, où est-ce qu'on est.
Ok. On se rappellera du coup qu'il y a une mine ici, ok? Allez les amis, tout en bas là, ici, il y a une mine. Il nous faut une clé pour l'ouvrir, mais on n'a pas ce qu'il faut. J'ai pas vu de clé dans le bâtiment là, de toute façon, hein, donc... Y'a rien là. Est-ce que tu peux activer le sifflet? Je sais pas, j'ai pas essayé. Incroyable! Ouais, on peut! Ah, il fallait pas me dire ça en vrai. Ah non. Je vais spammer le truc maintenant. Est-ce qu'on peut mettre des repères sur la map? Je pense que oui. Ça me semblerait logique. Placer un point de repère. Bien vu. Salut Peur, ça va? Tu vas bien? Ça serait énorme si t'avais la musique de Spirit Track en même temps derrière, tu sais, en arrière-plan là. Je me rappelle que la musique elle était tellement chill quand tu te balades en train. Oh, il y a un pont. C'est calme. Trop calme. Je sens qu'il va y avoir, à mon avis, ce train diabolique qui va nous attaquer dans pas longtemps. Tu as loupé une caisse. Non, c'est vrai? Merde. Là, on passe par là. Ce serait pas plus intéressant pour nous? Ouais, on va aller voir la personne qui est là, vous savez quoi? Et puis après, on va back. On va aller voir la personne qui est là, puis après, on va faire marche arrière. Et au bout d'un moment, quand t'améliores la vitesse de déplacement de ton véhicule, ça doit être tendu, je pense, quand même, là, de réussir à voir les caisses aux alentours. Là, on est arrivé. C'est que ça. C'est lui ? Oh putain ! C'est lui ! Oh merde ! Dit ! Accélère ! Ah ouais, espèce de bourricot là, hein, n'est-ce pas? On l'a eu. Bah il court vite, hein. Oh, au niveau des dégâts, il m'a mis cher. Ok. On va faire une petite marche arrière. Et on va aller voir ce qui se passe, du coup. Bon, on oublie la gare, hein. Non, moi j'oublie pas la gare. Non, moi j'oublie pas la gare. J'y retourne. Je pense pas que. Je pense qu'à mon avis, il est parti. On va pouvoir fouiller la zone, je pense. Varg, fuis. What the fuck, regardez, c'est immense ici, là. Vous pensez qu'on peut le fouiller, ça? Attends. Vas-y, je suis trop curieux de fouiller ça. Regardez, c'est immense! Mais attends, mais s'il arrive sur moi, là, je suis tellement mort! Regardez le bâtiment, comment il est immense! Hey, ah! Putain, il m'a fait peur, ce con!
Mais non, mais ah, putain, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, le bâtard! Ah! Il est là! Putain, il fait plus peur que Charlie, quoi! Il y a plein de trucs sympas à récupérer là. Je veux être votre ami, moi, les gars, putain, soyez pas vénère comme ça. Putain, je me prends plus de dégâts de chute que de... Ouais, sérieux, les dégâts de chute, ils font mal, hein. Je perds plus de points de vie des dégâts de chute. Oh la vache, ça va faire mal là, par contre. Y'a pas une moyen de sortir. Oh fuck. Oh la vache, oh putain! Oh ça va! Je perds seulement un débris? Ça vaut le coup! J'ai une barre de vie en dessous ici. J'ai perdu qu'un débris, ça va, en vrai, ça va, ça va. C'est pas dérangeant. Attends, là c'est dans quel sens qu'on devait aller? Ouais, on doit aller ici. Exactement. En vrai, tu perds un débris seulement si tu meurs. Bon, ça va. Après, bon, il faut quand même essayer d'éviter de mourir, hein. Bon, alors qu'avons-nous là? Ah, y'a rien. C'est vide. Ils m'ont fait flipper les mecs là dans la ferme là. Ils m'ont fait mais tellement flipper le mec avec son masque là. Vache. Il m'a mis en PLS. Je m'attendais pas en fait d'avoir une tronche comme ça quand il s'est retourné. Je me suis dit oh, c'est cool, il y a encore des gens sympas là. Allez, bon, je vais encore gagner plein de trucs. Que dalle. Vous m'attendiez? Ça fait un peu peur. Je crois que je vais m'en aller là. C'est un peu suspect, non? Welcome to Aranirum, archivist museum person. My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. Il a une tête de psycho, non? J'ai l'impression qu'il va me tuer et qu'il va manger mes organes. Non, pas vous? J'ai vraiment l'impression qu'il va me tuer, me découper, manger mes organes, tout ça, quoi. I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon. But the goons have set up a camp to protect that area. So be careful. Find the blue box and bring it back to me. I'll give you some scraps as payment. Des débris en contrepartie? Ce serait pas là où j'étais allé? C'est ici que tu veux m'emmener? Ok, ça roule. J'ai poussé un wagon de secours dans le canyon à l'aide de mon magnifique vieux train minier. Juste avant l'effondrement, je pensais qu'un wagon serait parfait pour dissimuler mes affaires les plus importantes, surtout sur une piste rurale et inachevée. J'y suis allé chercher quelque chose il y a environ une semaine, au sein même du canyon. Mais certains des hommes de Warren y ont établi un camp, une base. Je ne sais comment récupérer ma boîte sans en venir aux mains. Et j'ignore combien de temps je vais tenir sans elle. Eh ben écoute, mon ami, ton histoire m'a beaucoup touché.
malgré ton air de psychopathe, et malgré le fait que j'ai l'impression que t'aies envie de me tuer et dévorer ma chair, je vais quand même aller chercher cette boîte bleue, hein. Voilà. Parce que l'habit ne fait pas le moine, donc bon, voilà. Ça se trouve, c'est un brave type, y a aucun problème. Donc on va aller récupérer ça. De box. On fait un petit tour avant, il y a sûrement des compos à récupérer qu'on a peut-être pas récupéré. Oui. Oh. Ah, il y en a partout là. Est-ce qu'on est venu là déjà? Fermé. Derrière, il n'y a rien. J'ai l'impression que je vais pouvoir arriver niveau max très rapidement quand même, hein. Pour tuer le train araignée, il faudrait peut-être jouer stratégie et l'emmener dans la fourmilière rouge. Toi, tu as trop joué à Grounded. Vous avez trop joué à Grounded, mademoiselle Mercuria, c'est sûr. Je crois qu'on a tout vu, hein. Ouais. Salut Rezlan, merci pour le follow. Ra également qui follow la chaîne et Molo, échec, bienvenue à vous quatre. Bienvenue sur stream, j'espère que vous allez bien. Il faut qu'on fasse marche avant du coup, ok? Et qu'on aille du coup sur la gauche ou sur la droite. C'est juste à côté en vrai, donc attends. Hop, ça. On est d'accord, on peut pas y aller là. Eh attends, il y a moyen d'y aller là, non? Mais non, j'ai pas la pression. À pied, du coup? C'est dangereux. Salut Master Russe, ça va et toi? J'ai trop regardé les tutos de Varg. D'ailleurs, j'ai sorti un tuto aujourd'hui. Enfin, il y a un tuto qui va sortir vers 15h, à peu près. Bon, c'est un tuto rapide, mais c'est juste pour montrer où se trouve, du coup, la... La fameuse pièce pour remonter la tyrolienne. J'ai préparé la vidéo ce matin. Je me rends. Ah, ça fait mal. Quel bâtard. Et y'a moyen de venir ici avec le train? Oh la vache! Pour ceux qui connaissent le jeu, on peut venir ici avec le train ou pas? J'ai pas la pression moi qu'on puisse venir ici avec le train. Raté! Pas d'intersection rouge donc tu peux pas pouvoir y aller. Bah ouais ouais, c'est la pression que j'ai hein. Eh rate, ça vaut le coup de fouiller hein. On est récompensé. Tout ce qu'on a récupéré là. Ah ouais, 3 de plus là c'est trop bien. Voilà, de ce côté-là, je pense pas qu'il y en ait à nouveau. Oh la vache! Ah la vache! Oh putain! Oh bah pff. Oh, ce que je prends quand je shoot! You better run! Oh là là! Oh là là! Ah ouais, et lui doit faire le tour du coup. Il a compris qu'il fallait pas sauter, sinon il prenait des gros dégâts. Bon bah mes amis, c'est bon, on a récupéré ce qu'on voulait. Salut Madlux! On voit pas ta barre de vie. C'est vrai, elle est juste là. Après, ça va, tout va bien. La vie, tu la récupères en fait. Quand tu te prends un coup, en fait, tu récupères de la vie petit à petit, regardez. Ah bah non, il y a le micro qui cache. Et j'avais perdu à peu près la moitié de ma vie, et au final, tu regagnes ta vie petit à petit, en fait. Il y a que la vie de ton train que tu regagnes pas. Bon alors, il est où notre bon vieux psychopathe là? Ça roule Madlux. Merci du coup pour la screen que t'as envoyée hier là, ça me fait trop plaisir de voir que tu kiffes Grounded comme ça, je suis trop content. Eh ben voilà, parfait. C'est pas trop dur le jeu. Ce jeu là, non en vrai c'est chill de ouf. Salut Coribo.
C'est quoi le compteur World of Tank en bas à gauche? On est actuellement en pleine OPSP avec World of Tank. Et du coup, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don gratuit à la chaîne en téléchargeant le jeu et en jouant du coup à World of Tank. Il vous suffit de faire une partie pour contribuer du coup au soutien pendant l'OPSP. Voilà, voilà. Vous avez du coup toutes les informations en faisant point d'exclamation WOT dans le chat. C'est pile la boîte dont j'avais besoin. Prenez ces débris et décarpissez. Voilà, si vous vous posez une question, en plus dans la commande, vous avez donc également une petite vidéo tutoriel qui dure 2 minutes, je crois, où on vous explique comment faire pour participer, pour soutenir pour l'OPSP. Voilà, les amis. Ça craint. Il est où mon train? Putain, il est où? Il est là-bas. Il est où? J'ai entendu Charlie, non? Tu peux pas lire les pages blanches qui sont sur certaines tables, comme celle à côté du PNJ. Oh merde. Il est où? J'ai lu du coup la page qu'il y avait, non? S'il va dans un bâtiment, dans le train... Quand le train est là, ça passe? Je sais pas. Il est comment le jeu personnellement? Je kiffe à mort, mais j'adore aussi. En vrai, je suis fan. On est passé par là la première fois, on va passer par ici la deuxième fois, ok? On va tourner à gauche, on va aller voir les PNJ qu'on n'a pas vu. Personnellement, j'aime beaucoup aussi. Ok, nickel. Ça se trouve, le chouchou, c'est pour appeler Maman Charlie. Je te jure. C'est dommage, je suis déjà sur World of Tanks, sinon j'aurais bien aidé. Après, je crois que si tu crées un autre compte, ça passe. Y'a pas de soucis, mon poulet. Si tu souhaites aider, je crois qu'en créant un autre compte, ça peut fonctionner. Après, faut pas créer 50 comptes, mais juste tu crées un compte du coup pour l'OP, ça fonctionne du coup. Tu comptes terminer? Ouais, totalement, ouais, carrément. Je crois que le jeu il dure 2 ou 3 heures, c'est ça, non? Il est assez rapide à faire, mais ouais, on va aller au bout. Let's go. Ah, on est motivé. Donc on a déjà fouillé ce camp, vous vous en rappelez? On a déjà vu ce qu'il y avait ici. Une heure? De quoi une heure? Non, non, c'est pas possible, on termine pas le jeu en une heure. Comment ça, une heure? Une heure, c'est tout? C'est pas possible. Salut Dragonfire, ça va? Ouais, je joue à ce jeu, t'as vu, il est trop bien. Tu connais? C'est Train Simulator. Salut Brain! Prends ton temps à tout explorer, etc. Ouais, c'est ce que je fais. Bah du coup, là, tu vois, je passe par un chemin que j'avais... Je passe par un chemin que j'avais pas pris du coup tout à l'heure, ouais. Je l'ai testé, il est vraiment cool. Bah... Mais non, mais... Attends, putain. Mais attends, je comprends pas. J'étais passé par ce chemin à la base. Ok. 1h34 exactement. Oh merde, c'est court! Salut Doc! Ah, c'est court, putain! Ah ouais, faut vraiment tout fouiller du coup, hein. Si tu veux vraiment profiter du jeu, faut vraiment tout fouiller, quoi. Parce que pour 20 balles, 1h34, c'est un peu ledge quand même.
Bonjour, monsieur. You must be the archivist that Eugene told us about. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. You know, that old train of yours will need some major upgrades if you want to... Désolé. There are some metal scraps in my barn that you could use to improve it. Voici la clé de la grange, c'est juste au-dessus de la cheminée, du chemin, mais je vais tout de même indiquer sur la carte. Sympa ! Bon bah écoutez, on va y aller. Il va me filer des compos lui aussi. Chocho Elgato fait des siennes. Mais si tu fais toutes les quêtes, à part les quêtes principales et autres quêtes, tu en as pour 2 heures pour le 100%. Ça roule. Mais je me doutais que ça allait être rapide en vrai, parce que je vois, tu vois, tu démarres l'aventure et t'as à peine démarré l'aventure que tu te retrouves déjà avec 50 milliards de débris. Eugène avait certes promis d'envoyer de l'aide lorsqu'il aurait atteint le continent, mais sans évoquer le fait de revenir pour autant. Il est sans doute du genre à mettre de côté les détails cruciaux d'un plan. Tout à chacun essaie de trouver d'une manière de s'en sortir. Sur cette île, et je ne peux qu'espérer que son ami l'archiviste soit une sorte de magicien. Peu importe ce qu'ils ont pu faire d'étrange par le passé, et la manière dont ils comptent s'y prendre. Tant que Charlie ne s'en remet pas, la plupart des gens du coin pensent la même chose, mais certains ne lui souhaitent aucun mal. Ce maudit Warren a perdu la tête. Attends, il reste un truc à récupérer. Si je suis passé à côté. Là. Voilà, nickel. Ça se prononce Chouchou, je pense. T'as déjà vu le monstre? Ouais, je l'ai vu quelques fois, ouais. C'est bon. J'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Alors le personnage disparaît une fois que t'as fait la mission, c'est ça? Tac. Salut Mister Pomme. Eh ben écoute, tu sais quoi? On a joué à beaucoup de jeux de merde ces derniers temps. Et je t'assure que ce jeu, c'est pas un jeu de merde, il est bien. Je te jure. J'ai vu qu'il y avait une caisse, mais tant pis, c'est pas grave. Je te jure, c'est pas un jeu de merde, il est drôle, il est bien, vraiment. Comment vas-tu, Mister Pop? Ça roule ou quoi? Mais bon, il est trop bien, mais en vrai, je m'éclate de ouf. En plus, il est méga addictif. Une fois que tu commences, tu peux plus t'arrêter. Bah c'est parce qu'en plus tu peux améliorer ton train, du coup t'as trop envie, tu vois, de... Des bruits bizarres. C'est mon train qui fait tous ces bruits bizarres. Aller là. On va y aller à patte. Imagine un bon multi. Merci pour le follow Akira, bienvenue à toi. Nico, merci pour le follow également. Auto play, merci à toi, bienvenue à vous les amis. Bienvenue sur stream. Comment vas-tu Mr Pop, ça roule ou quoi? J'ai dit voilà de croire, ça roule comme sur des rails poulet et toi. Ouais, ça roule également comme sur des rails en vrai. Non, ça craint, ça craint. Je suis loin de mon véhicule en plus, je suis dans la merde! Il fait chier, il est où? Il est dans les parages, mais je crois pas qu'il m'ait repéré. Non, ça a l'air d'aller, c'est bon. Il m'a pas vu.
Ouais, ton train il est jaune de base, mais j'ai trouvé de la peinture. Tu peux changer sa couleur du coup. Si tu tombes de ton train lorsqu'il est toujours en route, il va s'arrêter automatiquement. Oh, c'est cool ça. Well, hello, darling. Salut Snow, bienvenue sur live. Ça roule ou quoi? I'm making a fresh stew with ingredients for my very own swamp. But I don't have any meat at the moment. C'est un, ouais, c'est un jeu d'horreur, ouais. C'est quoi la menace? Tu vas voir. En vrai, lui dites pas. Lui dites pas, tu vas voir. Tu vas péter un câble. Regarde pas de spoil tout ça. Regarde juste le let's play, tu vas voir quand ça va arriver. Je pense que tu vas péter un câble. À mon avis, tu vas hurler. De rire ou de peur, je ne sais pas. Tu verras au moment de l'attaque. Un ragoût frais avec des ingrédients, blablabla, j'ai pas encore de viande. I'll pay you some scraps, although you'll need to be wary of Barry. Barry, le monstre des marécages. What? Keep an eye out for him splashing around, and don't move if he gets close to you. Tant que vous restez immobile, c'est un véritable chaton. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? What? Ok, ça roule. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Recette de ragoût délicieux. Eau du marécage, sel, trèfle, boue, sel, viande de toutes sortes, humaines incluses. Sel. Encore du sel, putain, elle en met du sel, la vache. Oh putain de merde, non. Non, il a l'air d'être loin de moi, ça va. Ça va aller. Des fois, les chouchous, ça peut être des fakes. Et le plus souvent, ça veut dire qu'il est à côté. Oh, oh, oh. Bon, alors elle a dit qu'il y avait donc un monstre dans le marais, c'est ça? Ah, j'ai envie de voir à quoi tu ressembles. On va attendre de terminer la mission et on regardera à quoi il ressemble après. Oh putain. Ah, il nous lâche pas, hein. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bon, j'ai réussi à sortir. Bon, de la viande du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une peluche ça, non? Retourne, putain, sérieux quoi. Mais il m'a vu! Il va t'éclanguer. Alors t'es pas déçu Mr Pomme? Alors t'es pas déçu? J'avais dit, je savais que t'allais kiffer.
Mais c'est quoi ce jeu de fou? Ce jeu est trop bien! C'est juste génial! Quand j'ai vu le trailer, il y a quoi? Il y a genre... Il y a 6 mois de ça? J'ai fait, non mais ce jeu, mais dès qu'il sort, on fonce dessus direct, en vrai, c'est une dinguerie! Merci pour les follow, Darling! Merci, Ayan! Merci, J'aime le pain, bienvenue à vous! Bienvenue sur le stream, j'espère que vous allez bien! Mais ce jeu, il est trop bien! Bon, après, il sera... En vrai, c'est peut-être un peu cher pour le contenu qu'il y a, mais... c'est tellement drôle! Attends, j'ai récupéré le truc, du coup je peux te le donner. What a delicacy you found. Here are those scraps. C'est gentil. Vous avez envie de voir, j'ai envie de voir du coup à quoi ressemble le monstre là dans le marécage. Donc on va le trigger. Le jeu il est à 20€. Ok, je voulais voir à quoi il ressemblait. Moins 3 débris. Oh, ah ouais, putain, lui, il fait mal. Je voulais voir à quoi il ressemblait quand même. Salut, darling. Merci pour ton message, ça fait grave plaisir. Mais pourquoi? Je voulais voir à quoi ressemblait le monstre, en vrai. Donc c'est pas grave, je paye 3 débris, mais comme ça, on voit un peu à quoi ressemble le monstre qui est dans les marais. Beaucoup trop curieux, en vrai. J'étais trop curieux de voir à quoi il ressemblait, en vrai. Merci, darling, en tout cas. Merci pour ton follow, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, et bienvenue à toi. Donc, on a 64 débris. Ok, on a du coup les dégâts au niveau max. Donc là, si jamais il vient nous embêter, putain, on va lui faire de gros dégâts. Là, on peut réparer. On garde des débris pour tout à l'heure. On a fait cette mission-là. Apparemment, PNG nous rencontrer. Mission requise. Ouais, on est d'accord, hein. On fait on est d'accord, on fait le jeu à 100%, hein. C'est une raison tout à fait logique. Mais non, mais en fait, je me suis donné, en fait, parce que je voulais voir à quoi ressemblait le monstre dans le marais. C'est juste de la curiosité, c'est tout. Donc oui, techniquement, du coup, voilà... Il faut pas faire ça, mais bah, moi j'avais envie de voir à quoi ressemblait la bait qui était sous l'eau du coup. Donc en vrai, ouais, je me suis donné, ouais. Comment j'ai fait pour te rater, toi, du coup? Salut, Barlou. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Salut, Matap, j'espère que tu vas bien. Salut, Kiré. Ça roule ou quoi? Franchement, le jeu vaut d'aller au bout si le destin existe. Et si le destin existe, c'est forcément pour ce jeu... que t'as créé ta chaîne. What the fuck? Oh putain, tu vas tellement loin, c'est incroyable. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are 3 eggs. Locked in the island's 3 primary mines. 3 œufs sont dispersés autour de l'île, enfermés dans les 3 principales mines de l'île. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. Oh, cool. I've marked the entrance. Merci. Ah, c'est justement la mine. Vous vous rappelez? On est allé devant tout à l'heure. Eh ouais. On est allé tout à l'heure. Nice. Ça se trouve, les PNJ rouges, c'est les plus importants. Non, je pense que les PNJ... Les PNJ bleus... À mon avis, les PNJ jaunes, c'est pour... C'est pour des quêtes secondaires, tu vois. Et bleu et rouge, ça doit sûrement être pour les quêtes principales, je sais pas. Je dis peut-être une connerie, j'en sais rien. Hein. Attends, y'a peut-être un truc d'indiqué là sur la carte, non? Non, y'a pas de... Pas de légende. Salut Runa, tu vas bien? Ouais, on joue à Toutou Charlie, ouais. C'est grave cool. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas.
cliques sur les personnages et tu verras à quoi ils servent sur ta carte. Ah, tu as... Mission facultative. Mission d'armes. Oh, ok, d'accord. Merci. Je peux pas pousser le chariot? Ah non, ça me trigger. Ah vas-y. Mais non, mais en vrai, je vais pas dormir de la nuit si je peux pas pousser le truc, là. Oh, je peux pas le pousser. Je suis sûr que je suis pas le seul à être trigger par ça, en vrai. Lettre urgente à Monsieur Warren. Creuser le tunnel le plus éloigné a fini par nous amener à un mur, lequel donnait sur une grande caverne. Quelque chose d'étrange s'y trame, sans que je puisse préciser ce qu'il en est. Nous demandons à Monsieur Warren qu'il visite la mine du Sud, au plus tôt, pour nous donner plus de plus amples instructions. Eugène, chef d'équipe. Furtivité, penchez-vous pour espionner vos ennemis sans vous faire repérer. Oh bah putain, on n'est pas dans la merde là. Je vais pouvoir peindre mon train en vert fluo, quoi. Un conseil, évite de te faire repérer. C'est vrai? Après, s'ils ont juste un fusil à pompe, ça devrait le faire. J'ai pas peur des balles. Putain, c'est grand. Je m'en vais! Tu as gagné! J'ai peur! Oh putain! Oh la vache! Tu cours accroupi ou c'est moi? Non, ça c'était dans un autre jeu! C'était dans quel jeu d'ailleurs que je courais accroupi? Comme un abruti! Et qu'à un moment donné j'étais en mode, mais putain, mais tu cours. Oh là là, oh putain! Oh là là, ça fait mal! Ça fait mal! C'est dans quel jeu que je courais accroupi? Et que je disais, mais putain, mais qu'est-ce qu'on se déplace lentement sur ce jeu, c'est terrible. Sur Seven Days to Die. Il faut que je me casse vite. Vite. Tu penses que je peux le tuer? Ah ouais. Cool. Non, je suis pas un psychopathe, tout va bien. Et voilà. On a le train qui est en vert. Non mais vas-y, fonce. On va s'arrêter ici, on va aller faire la quête secondaire là. Let's go. Bon, il est incroyable ce jeu. Évite d'activer les manivelles de Chouchou parce qu'il me semble que ça sert des fois à la tirer. Ça, faut pas que je fasse ça. Si je fais ça, il y a Charlie qui arrive. Mais moi, je veux le voir. Juste
justement, je veux le voir. Il faut que tu le peignes en bleu. Ouais, en bleu. Ah, j'ai pas encore du bleu. Mais peut-être plus tard. Moi, j'aimerais bien le peindre en rouge. Attends, j'ai un souci. Ah, putain, la distance. Aïe, aïe, aïe. C'est pas à côté. Ah, j'espère juste que je vais pas me taper Charlie, là. On pouvait fouiller le cadavre ? Tu pouvais peut-être prendre son arme ? On pouvait fouiller le cadavre ? C'était quoi ce bruit ? Tu as vu la mage Elden Ring ? Ouais, j'ai vu la mage avec le système d'arène et tout, c'est ça ? Aussi, j'accueillais mes clients comme ça quand je bossais dans mon bar. Bonjour, je vous sers à boire. Ah, mais tu veux faire un câlin ? Oui, on dirait Kate, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai qu'elle ressemble à Kate, effectivement, ouais. Jar of pickles locked away inside my pickle cave. C'est la dame au cornichon. C'est une Sims buggée. Passe le stream en moins de 18, s'il te plaît. I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle cave. Someone else on the island might have some locked pickles. I mean, lockpicks. And if you can bring me my special jar of pickles. Ah, c'est pas à côté! Ah, mais tu m'envoies au casse-pipe! Ah ouais! Elle veut son pickle Rick, je te jure! Il faut aller voir un médecin, madame, j'avoue! Non, mais je pense qu'à mon avis, ils se reproduisent entre eux dans la région, tu vois, donc du coup, ça doit être compliqué là, hein? Madame, je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu d'inconnus, ils n'ont pas vu d'étrangers. Ils ont l'air de beaucoup se reproduire entre eux hein, dans le coin, hein, quand même. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Non, ouais, heureusement qu'on fait les quêtes secondaires. Hein. Sinon, ça serait. Je pense que le jeu, tu peux le plier, à mon avis, en une demi-heure. Mais là, c'est bien qu'ils aient mis quand même pas mal de petites quêtes secondaires. Est-ce que tu connais Bendy Ink The Machine ? Eh ben, il y a une couleur noire où ton train. Par son couleur que dans Bendy. Bendy, j'ai jamais joué, mais je connais de nom et de réputation. D'ailleurs, vous me recommandez de le faire en stream ou pas? Ça vous plairait de voir ce jeu en live? Je crois qu'ils ont sorti un 2 d'ailleurs, non? Récemment. Cornichon. Cornichon. Corni, corni. Cornichon. 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 Clem, tu vas bien? Ça roule ou quoi? Qu'est-ce que tu penses de ce petit jeu d'horreur du coup? Si on peut dire que c'est un jeu d'horreur. J'ai trouvé les cornichons! Oui! J'ai trouvé les cornichons. GG. Pourquoi il y a une espèce de bruit qui fait peur? C'est un code. Si tu regardes les voyelles, ça forme un mot. Non, c'est vrai? Attends, non, tu rigoles. C'est vrai? Arrête. Tu me trolls, c'est pas vrai. Même moi, je tombe dans le piège. Putain, mais sérieux, quoi. Je suis un peu trop innocent des fois, quand même. Hein. Moi, je cours dans ton piège, quoi. C'est terrible. Quel dialogue étrange. Je pense que c'est ça.
de l'elfique. Salut Staturan! Je troll, t'es trop naïf. Je suis innocent, je te le dis. Je suis innocent, poulet. C'est... Moi, tu... Non, mais... Moi, tu sais, voilà, je cours dans ce genre de piège. Ça fonctionne à tous les coups. Elle est passée où, du coup? Dame Cornichon? Madame Cornichon! Oh, c'est ouvert. Ah, elle s'est fermée, par contre. Madame Cornichon! I thank you so very much for bringing me my pickles! You are my pickle hero! Ah, je suis un cornichon héros. Here are some scraps as a reward for your valiant pickle questing. Merci beaucoup. Allez, c'est reparti! Oh putain! Oh l'enfer! Merci encore, Staturan! Pour tes 14 mois, poulet! Merci beaucoup! On est sur la bonne direction, je crois. Ouais, c'est bon. Je pense que ça a compté. Pour vote, tu saurais me dire si c'est bon. Je vois qu'on est à 2 sur 30. Tu viens de faire une partie sur le jeu. C'est toi, Marcoya, du coup, qui a validé une personne supplémentaire. Ah, je vois qu'on est à 2 sur 30. Ah, c'est ça le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. À un moment donné, on a entendu un bruit. C'était pas le train, en fait. C'était vote. Merci, Marco. Merci à toi, merci beaucoup. Alors attends, juste voir où est-ce qu'on va. Et on part carrément pas dans la bonne direction, ça va pas ça Varg. Ah ça me perturbe, en vrai en vert c'était mieux ouais. Tac. Salut Scribes, comment vas-tu? La madame est un peu bizarre, pourquoi elle a des bras écartés? Je sais pas, c'est parce qu'elle est très amicale. Et qu'elle veut me faire un câlin. Pardon, c'est le hockey. Oui, c'est parce qu'elle est très amicale et qu'elle veut me faire un câlin, tu vois. Donc elle arrive, elle comme ça, tu vois, elle se tire comme ça, là. C'est insane, hein. On part sur la droite, let's go. Comment t'arrives à bricoler ton train en roulant? C'est magique. Elle aime serrer les cornichons dans ses bras, je te jure. Attends, on va s'arrêter ici. Non, non, arrête-toi. Stop, stop, stop. Et là, on a une quête secondaire. Juste là. Attends, c'est où? Ah, ok. Faut pas que j'ai peur d'aller en bas, quoi. Ouais. J'ai prié pour que quelqu'un ait la présence d'esprit d'envoyer un autre bateau. Ils ont certainement songé que le bateau de ravitaillement de Georges continuerait d'en évacuer. Ils sont confortablement installés sur le continent et ne soucient guère de savoir qui d'autre pourrait s'échapper. Un bateau coulé par Charlie n'est pas nécessairement la première chose à laquelle on pense. Mais tout de même, rien qu'à songer que je ne serais déjà plus là, ça me rend malade. Tout ce qu'il y a du coup ici. Bonjour capitaine. My goodness, the others actually convinced someone to come help us. I'm so glad you came, but I simply cannot stay any longer. This island is too much for my nerves to handle. I've brought all. Salut Grand Koumous, ça va? So I can leave immediately when a boat arrives. Although now that I think about it, I did forget my journal at home. Could you bring it to me?
Un voyage dangereux. Son journal. C'est où? Oh putain, c'est pas à côté là. Ok. Bon, on y va, vas-y. Ça roule. C'est pas à côté, dis donc. On a le train qui est juste là. Il a pris des morceaux de métal, mais pas son journal. Ouais, il a oublié de prendre son journal, ouais. Ben, ça arrive, hein, des fois, tu pars un peu trop vite et hop. Malheureusement, tu oublies plus important. S'il te plaît, dis-moi que on va à gauche. Oui, on va à gauche. Nice. Mais le survivre, il est bien, t'as vu? Il fait quoi, Charlie, pendant ce temps-là? Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Il nous regarde, vous pensez, de loin, ouais? You're that monster hunter. I must know. Do you have any experience with ghosts? Ouais, sur Phasmophobia quelquefois, mais bon, maintenant ils ont oublié de mettre des fantômes sur les. Ils ont retiré les fantômes carrément maintenant, ça fait plus peur. 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. 16 dessins, hein? I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and seeing strange things. I only found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last date and bring them to me? Ok. Allez, on va faire sa mission et puis après on ira récupérer le fameux journal de notre pote. Ils rajouteront le DLC de train. Le train Thomas dans quelques temps. Ils vont vraiment rajouter un DLC ? Ça craint ! Salut White Sender, tu vas bien? Ça roule ou quoi? Quand tu dis comme ça, c'est cool, tu mérites beaucoup plus de visibilité en vrai. C'est très gentil, Wade. Merci pour ton soutien, Paulet. Et merci pour ton message, merci beaucoup. Je veux le train comme prochain tueur des BD. Bah c'est bon, on a réussi à esquiver le train. Pas que. C'est quoi ces conneries? Le jeu est incroyable, sachant que c'est un seul mec qui l'a fait. Putain, si le mec est solo et il a fait ça, franchement, GG à lui. Oh la vache! Il m'a téléporté? Ah ouais, il m'a salement téléporté, putain! Merde! Ah ouais! Je suis à l'autre bout du monde! Je sens que trouver toutes les pages là, ça va pas être simple.
Ah là, il y a une page. Ouais, c'est un seul mec, et qui a fait d'ailleurs... Attends, je lis juste après. Plus que deux. Pourquoi est-ce que tu la zone ? Ouais, c'est un seul mec qui l'a fait... Qui a d'ailleurs fait le jeu en un an. Et il a fait des vlogs, développement sur sa chaîne, qui montrent tous les problèmes qu'il a rencontrés durant le dev. Tac ! Oh putain. Ça va être chaud de trouver la dernière page. J'espère qu'on va la trouver vite. Je me fais un peu harceler là quand même. Hein. La vache. Ouais, il va nous téléporter. Non, je sais ce qui va se passer. Il va me téléporter au moment où je vais trouver la dernière page. Ah! Putain, mais c'est horrible ces effets là! Tu veux pas aller emmerder quelqu'un d'autre? Ah, ça va mieux. Mais il est encore en train de me suivre! Oh putain, ça va mieux. Alors, elle est où la dernière page? Quel enfer! Il va jamais te lâcher. Ah non, non, il me lâchera jamais. Salut Angel! Comment vas-tu? Ça roule? Hello Slayer, merci pour le follow, bienvenue à toi Hugo, bienvenue à toi également! Merci pour le follow les amis, bienvenue sur stream. Là! C'est bon, je l'ai! Oh putain, alléluia! Bon, faut que j'aille où maintenant? Récupérer les 8 pages. Ouais, bah c'est fait! On va retourner voir du coup la dame. Elle est par là-bas? Allez, let's go. L'encodage en PLS. Ah, j'imagine qu'à mon avis, tous ces grisements là, ça a dû... On a dû les sentir en vrai là sur le stream, je pense. Here are some scraps for your help. Merci, c'est gentil. Nickel. Juste pour voir les succès. 11 succès sur 24. Ok, je suppose que si tu fais toutes les quêtes secondaires et tout, à mon avis, tu platines le jeu. Instant. Quoique... C'est juste là. Elle est là du coup, la grange où il y a son bouquin. Le problème c'est qu'il y a Charlie qui est pas loin je crois, non? Il m'a donné les clés, c'est bon. Là, c'est bon, on a son bouquin. Il faut qu'on retourne le voir maintenant du coup. Ok, allez. Ça fait quoi si t'oublies de mettre le frein à main? Ton véhicule s'arrête tout seul apparemment. T'imagines sinon ton véhicule il se barre sans toi, tu sais, ça aurait été bien ça. Bon, ça aurait fait péter les plombs à certains, tu sais. Mais ton véhicule qui se barre et tu ne le revois jamais plus. Ouais, fin de l'aventure. Grosse erreur, il fallait du coup penser à mettre le frein à main. Alors, 64 débris. Allez, on a la vitesse du coup qui est au niveau max. Nickel.
Ah là, c'est cool. Ah, la vitesse, on le sent, ouais. Ouais, il y a des jeux PS4 également sur Instant Gaming. Il n'y en a pas énormément, mais au pire, tu peux acheter une carte PS4 et tu économises 8€, je crois, si je dis pas de bêtises. La carte PlayStation 4 est à 42€ sur Instant Gaming au lieu de 50. Si elles sont, si ils en ont en stock, bien sûr. Salut Tojoy! Merci pour tes 5 mois d'abonnement à la chaîne, c'est super gentil! Merci à toi, on le fera quand on sera sur Dead by Daylight si ça te dit, mon poulet. I would hope, for your own good, that you didn't peek inside. But, here are those scraps I promised. En vrai, je pense que c'est quand même important de faire des quêtes secondaires. Tu vois plein de trucs qui sont quand même sympas là, genre là. La petite mission du coup où t'allais dans le marais et où tu devais pas te faire attraper par la bête qui est dans le marais. La mission qu'on vient de faire à l'instant là du coup avec l'espèce de créature qui te poursuit là. Tu dois récupérer les 8 pages. C'est des petits trucs sympathiques en vrai. J'ai tendance à pas faire tout ce qui est secondaire généralement quand je fais des jeux. Mais là en vrai je pense que c'est important de le faire quand même. C'est bon, on l'a eu! On va devoir faire marche arrière, on n'a pas le choix. Nickel. Oh le loops! Merci pour tes 3 mois d'abonnement à la chaîne! Merci beaucoup! Les pièces mécaniques, ça va quoi? Alors regarde! Les pièces mécaniques vont te servir donc une pièce mécanique pour réparer 10% donc des dégâts subis sur ton train. Et après donc tu peux améliorer donc les dégâts, la vitesse à laquelle ton train roule et améliorer également la résistance de ton train. Voilà à quoi servent les pièces mécaniques mon poulet. Est-ce qu'ils se régénèrent Charlie? Ouais. Le train est terrifiant. Ouais c'est sympa hein. Allez, je vais à la droite. C'est pas Charlie, c'est Charles. Charles. Chouchou Charles. Là, donc, on a une mission importante à faire là-bas. Ensuite, on a 2 missions importantes ici à faire. Et on en a une ici aussi à faire ici. Et on aura fait 100% du jeu. On va pouvoir aller récupérer une nouvelle arme, ça c'est cool. A plus tard, Wade. Je vois que vous êtes 90 sur TikTok, ça fait grave plaisir. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à vous. N'hésitez pas du coup à passer sur Twitch si jamais vous souhaitez du coup parler un petit peu avec nous. Pour le chat du coup je m'occupe du coup du chat sur Twitch les amis. En tout cas bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Alors on a plusieurs personnes à voir ici. On va d'abord faire la mission principale. Non, tu sais quoi, on va aller faire la mission secondaire d'abord pour commencer. Et on fera la mission principale après.
Bah, bientôt, on aura plus besoin de pièces, hein. On a quasiment tout qui est au max, donc bientôt, on aura plus besoin de pièces. Quitte à partager ce jeu... Partager ? J'ai acheté le jeu sur Steam et ça fait genre plus de 6 mois que... J'étais au courant du coup que le jeu était en développement du coup. Et là ça y est, il est sorti hier donc... je l'ai acheté direct en vrai. Quête d'armes, ça serait pas pour avoir autre chose. Ouais, à mon avis tu peux avoir deux autres armes. Dans sale état. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. I was recently attacked by Charles, so I'm unable to do it myself. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Once you finish, I have some spare scraps to give you. Ok. Alors c'est où ça? Quelle distance? Ah, c'est juste à côté, c'est cool. Salut Newfix, ça va et toi? Bienvenue sur stream. Bienvenue à toi. C'est pas là? Ah non, c'est derrière. Ah oui, c'est dans la cabane là, juste là. Salut Lina, ça va et toi? Comment vas-tu? Tu passes un bon week-end? Trouver et placer les disjoncteurs pour réparer le phare. Alors je les ai trouvés. J'en ai trouvé 4. Ah, c'est là qu'on doit les placer. C'est une bonne chose de régler. Surveillance de l'océan, jour 68. Merci d'en donner une copie à Paul. Je suis sorti pour faire une inspection routinière du phare, lorsque j'ai aperçu cette bête, Charles. Il m'a repéré et a chargé tout droit sur la colline dans ma direction. Ce train araignée est un monstre hideux. J'ignore pourquoi Warren insiste pour que nous restions sur Aranerum, pardon. Au lieu d'essayer d'échapper à la créature. Il est sans doute devenu fou en imaginant qu'il pouvait gérer cette situation tout seul. Charles m'a couru dessus en me piétinant la jambe. Je ne pourrai pas assister à la prochaine réunion. J'ai demandé à Greg de rapporter une copie de vos notes. Si ceci est envisageable. Claire. Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Here are those scraps I promised. Merci. Alors la secondaire c'est good. Parfait. On découvre petit à petit du coup Mr. Pomme. Petit à petit on en apprend un peu plus du coup sur l'histoire de l'île tout ça. C'est Vark ça, à force de critiquer le farceur. Bah, j'ai rien dit sur le farceur là pour une fois. Oh putain. Je trouve que son dernier skin là, qui est sorti est vraiment incroyable. Ils ont retiré des bonus points de sang, des matchmaking sur DBD, je suis à bout. Ah ouais, c'est vrai? Tu as pas vu mon message avant. Les gens ont l'air ultra sereins malgré le monstre qui rôde dans le coin. Ouais, j'avoue, les gens ils sont tranquilles, tu sais. L'autre avec son bocal au cornichon, tu sais, elle avait l'air d'être vraiment dans sa bulle. Salut mon pote. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Merci pour les follow. Nolan, Newfix, DMX Blue, Atsukyo, merci pour les follow et bienvenue. Name's Greg, by the way.
And in case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping three. Ouais, je connais cette histoire des œufs. Unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely. Oh putain, c'est la merde. We need you to steal all three. And you. J'en ai déjà volé un du coup. Bait Charles, so we can destroy him. One of the eggs. L'un des œufs se trouve dans la mine du Nord. Voici la clé de l'entrée. Cool, merci mec. Ah putain de dieu, elle est pas à côté. Ah ouais, elle est pas à côté. De toute manière, après, une fois que j'ai récupéré l'œuf, j'ai pas besoin de revenir pour lui donner, c'est cool. Je crois pas. Non, tu t'es trompé, tu viens de lire mon message. Tu as pas vu mon message d'avant, Imhotep, que je lui ai envoyé. Ah merde, une intoxication alimentaire, je suis désolé pour toi, Elina. Paul asked me to design a new weapon to help you. Je suis désolé. Charles. And using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. Un lance-roquette. So building this puppy was a incroyable opportunity. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? Attends, j'ai pas suivi. Tu veux que je fasse quoi? Trouver un moyen d'entrer dans le bunker voisin et récupérer-y la boîte de roquettes. Allez, ça roule. Bon, de toute façon, on va prendre le train pour y aller. Ça ira plus vite comme ça, hein? Oh, il y a une personne du coup qui vient de faire une bataille sur World of Tanks. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ta participation pour l'OPSP, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. C'est juste ici du coup. OK. Ah bah tu m'étonnes, putain je suis désolé pour toi Elina, en plus tu viens d'attaquer, enfin avec ton taf et tout là, bon ça tombe le week-end, mais bon c'est quand même chiant quoi. Bon rétablissement à toi en tout cas. Attends. Ah. Oh y'a quelqu'un qui vient de passer, qui vient également du coup de faire sa première bataille. Merci beaucoup. Du coup quand on entend ce bruit, en fait c'est trop marrant parce que du coup le bruit là qu'on entend là, moi j'ai l'impression que c'est dans le jeu, tu sais, alors qu'en fait c'est le bruit d'un tank. C'est le bruit d'un tank qu'on entend. Mais j'ai l'impression que ça vient du jeu, moi, vu qu'il y a le train et tout. Incroyable. Merci beaucoup, merci à toi. Merci de votre soutien pour le PSP les amis, c'est super cool. Merci beaucoup. Ça vous a pris combien de temps en vrai pour ceux qui l'ont fait du coup? Marco, ça t'a pris combien de temps du coup de... Je parle pas du téléchargement du jeu bien sûr parce que ça prend un petit moment vu que le jeu il pèse un peu quand même. Mais pour faire la bataille hors tuto, parce qu'en plus tu peux skip le tuto si jamais tu veux pas voir le tuto. Ça vous a pris combien de temps? Une petite dizaine de minutes, même pas? Le téléchargement était plus long que le tuto plus la bataille. Bah ouais, ce qui est normal, ouais. Bah ouais, c'est logique. Trouver un moyen d'entrer dans le bunker voisin et récupérer-y la boîte de roquettes. Nice. Moi ça m'a pris 7-10 minutes. Ça roule. C'est super gentil. Merci, merci d'avoir pris le temps de le faire en vrai. Ça soutient la chaîne, c'est comme si vous faisiez un don gratuit à la chaîne, sachez-le les amis. Du coup c'est super cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, il faut qu'on trouve un moyen du coup de rentrer dans ce putain de bunker. Alors attends, comment on fait? Là. Je pense que c'est peut-être par là, regardez, non? Non? J'aimerais beaucoup t'aider pour vote, mais j'ai déjà un compte et le téléchargement de vote c'est long, sans être sûr que ce sera comptabilisé. Normalement, si tu crées un nouveau compte, ça marche, y a pas de souci, je crois. Faut juste pas créer 50 comptes. Si t'en crées juste un nouveau, normalement ça fonctionne. Après, l'OP, on l'a fait pendant 15 jours. C'est-à-dire qu'il y a pas le feu en vrai, si tu veux. Oula, attends, mais c'est dangereux là par ici. Ok, j'ai réussi à passer par-dessus. En vrai, je pense que l'entrée doit être là, hein. Ouais, ça doit être ici. Il doit y avoir un passage! Ah ouais, c'est bon, on a trouvé l'entrée, nickel. Cool.
On fait l'OP du coup jusqu'au 27. Donc en vrai, après, ça vous laisse le temps si jamais vous avez pas la fibre pour télécharger du coup le jeu. Après, de votre puce, c'est pas d'obligation, les amis. Hein. Vous venez avant tout sur le stream du coup pour regarder le live. Donc voilà, faites seulement si. Ne vous sentez pas obligé, vous faites comme vous voulez, y'a pas de soucis. Alors attends, c'est fermé. Je suis venu ici juste pour récupérer ça. Oh merde. Ah, oh, fais chier. J'ai toujours voulu tester World of Tanks, c'est peut-être le bon moment. Moi j'avais jamais joué au jeu non plus, tu vois. J'ai testé hier et franchement c'est plutôt cool. Moi j'ai fait deux games hier. Oh c'était sympa en vrai. Le jeu est cool en vrai. Donc de toute façon voilà, on sera sur le jeu tout à l'heure de 18h à 20h. Pour l'OP. Comme ça je vous ferai une petite présentation du jeu au passage. Bon alors comment on fait du coup pour accéder à cet endroit là? Putain c'est terrible. En fait, il n'y a pas vraiment de palier, c'est juste l'histoire d'avoir un objectif. Mais il n'y a pas de... Contrairement à Red Shadow Legend, tu vois, et aux autres OP, effectivement, il y a des paliers. Là, il n'y a pas de palier, en fait. Donc, ça peut aller haut, tu vois. Il n'y a pas vraiment de limite. J'arrive pas à trouver l'entrée. C'est terrible. Comment faire pour rentrer là-dedans? Chaque fois que tu ouvres la map, vu que j'ai ton stream en fond, j'ai l'impression que la voisine fait des dingueries avec des poubelles. Ah, désolé. Salut Keizo. Désolé poulet. Et merci pour la cinquième personne du coup qui vient de faire sa partie sur WOTS. Merci beaucoup. Il devait y avoir un passage par ici, en vrai, c'est pas possible. Non? Ouais, ça va, Keizo, et toi? Imagine, tu tombes sur Charlie quand t'es à pied. C'est déjà arrivé! C'est déjà arrivé, il m'a roulé dessus, quoi, littéralement. Il m'a littéralement roulé dessus, je te jure. Il y a un panneau, là, ok. C'est pas évident de trouver l'entrée là. Tu vois, ça me semblerait... Ça aurait été logique que ce soit dans cette baraque, mais j'ai pas la clé pour ouvrir le truc. Hello Sevan. Vous avez vu une entrée quelque part, vous? Là-bas, c'est verrouillé. Ouais, c'était pas haut, putain! T'es dans la bulle, là! Ça se trouve, je cherche compliqué alors qu'en fait, c'est tout con. C'est terrible, je ne trouve pas. J'ai fouillé partout, je trouve pas, putain! Oh mais putain, j'avais pas vu qu'il y avait ça! J'avais pas vu! Oh bordel! Allez, zou! Eh, si avec ça j'aggro pas Charlie en vrai. Ah mais là, mais il y a tous les monstres du coin qui vont débarquer, c'est sûr.
Nickel. Lance-roquette, test de munitions. Version 1, échec. Version 2, échec. Version 3, vol de 13 secondes. Version 4, succès. C'est... Ouais, non, mais c'était tout con en plus. Non, mais évidemment, il suffisait juste d'ouvrir les yeux, de voir qu'il y avait des roquettes, et puis voilà, tu vois. Mais bon. Allez, on va lui rendre l'arme, enfin on va lui rendre les roquettes, il va nous donner donc le fameux lance-roquettes, et c'est nickel. Débris, oh. Bon bah tout est au max les amis. On a plus besoin de débris, à part pour réparer le véhicule du coup. Salut mec. The launcher is in complete working order, so I'll let you take it from here. Oh, and take good care of it. After you're done, I have a few people to visit with it, if you catch my drift. Allez, c'est parti. Alors, ah putain, il va falloir qu'on aille là aussi. Not choice. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'arrêter ici. Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? On va tester le lance-roquettes. Je crois que je me mange des dégâts, non? On lui a mis. Allez, on est où là du coup? Où est-ce qu'on va aller? En vrai, on fera une marche arrière, au pire c'est pas très grave. Ah bon, bah non, visiblement le jeu a décidé qu'on tournerait à gauche. Ok, ça roule. Ça marche, pas de soucis. Pas le choix, ok. On va aller là, après on va aller à Pat. De là à là, je suis pas très loin de toute façon. C'est possible de le tuer définitivement ou pas du tout? À la fin, à mon avis, ouais. L'objectif, c'est de récupérer les œufs pour pouvoir avoir un combat à mort, en fait. Par là-bas, apparemment, du coup. Ouais, on est sur la bonne route. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Voilà, nickel. Salut sur 51, bienvenue à toi. Ouah, je vous jure, je prends plus de dégâts des chutes que de Charlie. Hey, aren't you the new guy who's come here to work for us? C'est moi. You must be. There's something at the top of these towers that I need. And don't worry, I won't make you work for free. I'm a nice enough guy to pay you. You see, Mr. Warren never told anyone from the mainland about his mining operation here. He never even reported the cave-in. He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious, and I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. To top it all off, none of us miners ever received copies of our paperwork.
but that doesn't affect my subordinates as much as someone with my status. I'm gonna sue the pants off of Warren once I escape this island, and I need those files to prove that he breached our contract. He keeps all his files at the top of these towers. I could explain how I ascertained this, but I doubt it would make sense to you. Problem is, he erected these towers years before we ever started mining, and now they're falling apart. I could scale them myself, but since you're here, go sniff around for those files. Sympa! Tu vas pas te risquer, c'est ça, hein? On prend aucun risque surtout, n'est-ce pas? One of my useless pieces. Oula, oula, oula. Il pleut ou quoi? Oui, c'est de la pluie, je crois. Enfin, j'espère que c'est de la pluie. Ah oui, c'est bien de la pluie. Petit conseil avec le lance-lame, si tu vises le sol, ça va faire une traînée de feu et ça va continuer à faire des dégâts, Charlie, quand il va marcher dessus. Cool, merci Carni, je savais pas. Tu gères. Salut Marine. Salut à toi. Comment vas-tu? Ça roule ou quoi? Oui, c'est Charles, pardon, il faut que j'arrête de dire Charlie. Désolé. Pardon, pardon. Vous avez raison, monsieur Matap. C'est verrouillé. J'entends de drôles de bruits par ici, ça fait peur. Ya! Yeah. Le bruit que ça fait à chaque fois que tu t'éclates la chie, en vrai, ça me fait limite mal pour le perso, tu sais. Coucou! Elisa, comment vas-tu? Merci pour tes 23 mois d'abonnement à la chaîne, Elisa! Et en vrai, ça fait quoi là s'il m'attaque? Il est là! Il est là! Il peut pas m'attaquer là, en vrai, je suis en sécurité! Ériger les fondations pour cette opération a été considérablement plus compliqué que prévu. Par un coût dantesque, d'une part, mais également par la logistique de la construction et de la livraison des fournitures aux principaux sites miniers. D'autre part, nous devrons trouver de l'or rapidement si nous voulons avoir une quelconque chance d'éviter la faillite. Oh putain! Ah! Merde! Ah, il faut recommencer! Tac! Non, là, faut trouver un moyen de monter. Voilà, comme ça. C'est verrouillé. Et voilà les fameux documents. Retournez voir Ronnie pour terminer la mission. Bon, là, on va éviter de faire le grand saut parce que sinon, on va mourir. Ah, je pense qu'on va mourir si on fait le grand saut. Quoique là, ça devrait passer. You look like a monkey climbing those towers. I sure am glad I found these files. Here's that scrap you were begging for. Don't spend it all in one place. Allez, nickel, on rentrera tout de suite, on fait une petite marche arrière et il nous reste encore 3 missions à faire. Et on se rapproche petit à petit de la fin du jeu. Ah, je suis content de faire durer ce jeu un petit peu parce qu'il est cool, quoi. J'ai... Hey, la réaction de Mr. Pomme quand il a vu Charles pour la première fois. Une masterclass. En vrai, j'aurais aimé entendre ta voix à ce moment-là. Je suis sûr que t'as explosé de rire, en vrai. Je suis sûr que tes voisins, ils t'ont entendu. La réaction était incroyable. Une araignée, ça grimpe. Tu penses du coup qu'il peut m'atteindre, Charles? Salut Mister Blue! Comment vas-tu poulet, ça roule ou quoi? Tu vas bien?
petite marche arrière, let's go. Hello Vap. C'est impossible de prévoir un truc comme ça, si je te jure. La première fois que j'ai vu le trailer, j'étais mort. J'étais vraiment mort, j'étais en mode, mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, en vrai, c'est pas plus mal que ça me fasse partir par là. Ouais, c'est bien. Là, y'a rien, on est sûr qu'y'a rien, ouais, c'est bon. Allez, let's go. Dans le bâtard. Mais je... J'étais pas prêt. J'ai cru que c'était un mec qui voulait me proposer un truc. Je sais pas, moi, tu sais, genre, hey, j'ai un bocal de cornichons pour vous. Non, non, pas du tout. Le mec a coup de fusil, là. Allez. Non, mais je te jure. Oh, les enfoirés. Ça va et toi? J'ai vu ton replay d'hier sur Euro Truck Simulator, ça a refait ma soirée. Nice! Ça fait plaisir. Je suis content que ça t'ait fait rigoler. C'est impossible de prévoir un truc comme ça. Fatigué avec le challenge de ma boîte. Beaucoup de taf en ce moment, poulet? J'ai cru qu'il avait un corps écrasé de gêne. Il t'a proposé du plomb. Ouais, ouais, j'avoue, mais en vrai... tu sais quoi, non. Moi, je trouve qu'il a mal vendu son plomb. Je suis pas intéressé. Il faudrait y aller un peu plus en douceur avec moi quand tu veux me proposer des articles comme ça. M'agresser de la sorte en essayant de me vendre tes produits, ça fonctionne pas. Vas-y, avec un peu plus de douceur. Peut-être que ça fonctionnera. Les vendeurs qui sont trop agressifs, généralement, ils me font fuir, tu vois. Oh non, 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 non! Je t'ai dit que j'étais pas intéressé! Je ne veux pas du plomb! Non, mais arrête de faire du forcing comme ça, putain! C'est quand même terrible! Elle est où la mine? Ah, c'est là. Et ils appellent ça une mine. Une mine! Parfait, au meilleur moment. Bravo. La discrétion est varque, ça fait deux, hein, vous le savez. Je taffe beaucoup, mais on a un challenge pendant deux semaines. Il faut marcher le plus possible, donc je marche 35 à 40 km par jour. What the fuck? Comme il y a un taf en plus, je marche le soir jusqu'à... Mais what? Non, non, mais je viens en paix, je viens en paix, t'inquiète. On a récupéré le deuxième œuf, les amis. En plein dans les fesses, je te jure. Stop right there. Je sais pas ce que j'ai fait de mon train. Je m'en rappelle pas. Attends, mec, s'il te plaît. Je sais pas où est mon train. Tu vas voir, quand je vais être dans mon train, je vais tirer un coup de bazooka. Tu vas voir, mon pote. T'es pas prêt? T'es pas prêt, moi, je te le dis. Il est où? Je crois qu'il a pris ma menace au sérieux en vrai. Il a eu peur.
On va aller faire la mission là, et après on va faire cette mission, les deux missions là. On fera une petite marche arrière. Mais on se rapproche déjà de la fin du jeu. Je crois qu'il est dans cette mission là, dans cette maison. La mission nous attend dans cette maison. Qu'est-ce que c'est que ça? The fuck? So, the fabled hunter has finally arrived. Si c'est trop près, ils peuvent one-shot, ouais. You know, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Mon husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took them up to their camp. Bob was such a brave man, much braver than you, I bet. If you take what I have left of the gun and steal back those other parts, you can put it back together to use against Charles. Just do me one favor, will you? Y'a pas de souci. Je trouve que t'as un truc bizarre au niveau du bras là, c'est quoi? C'est un tatouage un peu raté? Tu t'étais tatoué un code barre et du coup t'as décidé de le recouvrir, non? Je sais pas trop. If you do end up using it, name it Bob in memory of my honey. Ah ouais, c'est pas à côté. Putain, ah oui, aïe, la tête dans les barbelés. Oh, ça fait mal. Putain, ça fait mal, ça pique. Nom de Dieu. Salut Kuyogoto, tu vas bien? Merci pour les 7 mois. Merci beaucoup, Play. Oui, salut Ameno, merci beaucoup à Marcou. Mais oui. Elle est sur le stream si tu veux la remercier. Franchement, il a raison de te criber de balles, tu rentres chez lui sans permission et tu voles son bien. Mais j'ai volé un œuf, c'est pas ma faute. C'est la faim qui m'a poussé à faire ça, j'ai les crocs. C'est pas ma faute. Rapport de surveillance jour 3, lieu 4. Je jalonne cette zone depuis des jours et Charles n'a jamais traversé le vieux pont de bois. Cette créature semble être suffisamment rusée pour savoir qu'il est dangereux. Mais si elle est en colère et désespérée, elle le traversera sans aucun doute. Dès lors, BAM! Nous utiliserons les bombes de John pour faire exploser le tout. Et Charles tombe la tête la première dans le canyon. Si l'explosion ne le tue pas, la chute s'en chargera. Très belle stratégie, dis donc. You're the archivist my father told me about. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. Placer les explosifs. Ouais, ok. On va aller faire la mission d'abord pour récupérer l'arme. Tu me diras, c'est juste à côté en vrai, donc. Là on peut les placer les explosifs, c'est pas un problème. Après j'ai trop peur que ça déclenche la séquence de fin. Ah putain, ayant peur que ça déclenche la séquence de fin en vrai. Je vais plutôt aller faire la mission rouge d'abord. Ouais, j'ai envie de faire le truc à 100%, donc on va d'abord aller faire la mission rouge. Let's go. Vivement le combat à mort. Ouais, c'est pour bientôt, ouais. Qui disait que ça durait une heure pour le 100%? Non, une heure et demie, deux heures à peu près pour le 100% en fait. Pas de risque. Ouais, on va faire la mission secondaire. Hein. Ce serait vraiment ballot. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est World of Tanks. Merci beaucoup. Merci pour la 6ème personne qui vient de terminer sa première game sur World of Tanks. Super cool. Un grand merci à toi. Merci beaucoup.
On va à gauche? Non, on va à droite, putain! Retour arrière. Nickel. Elle n'est pas très très loin. On s'arrêtera là. On fera une marche arrière après. Salut Izzy Sora, ça va? C'est fait pour moi, avec plaisir. Merci beaucoup Fanning, c'est super cool. Merci de ton soutien. Non, mais non, 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 non. Putain, mais ils sont chiants. Oh la vache! Aïe! Ah ça pique! Alors attends, où est-ce que je dois aller? Non, c'est pas là-haut. Oh putain, putain! Oh ouais, mais ils m'ont fait voler! Oh, ce qu'ils m'ont mis, des enfoirés! Le lien ne marche pas pour moi. Le lien marche pas pour toi? Attends. Regarde. Allez, ça c'est fait. On va pas s'emmerder quand même, hein? Non mais je te jure. Je t'ai envoyé le lien dans le chat, du coup on pouvait si jamais. Si tu utilises Mozilla, effectivement, quand tu cliques sur l'image World of Tanks, ça fonctionne pas. J'ai essayé hier aussi et ça marchait pas avec Mozilla. Avec les autres navigateurs, par contre, y'a pas de soucis, ça fonctionne. Et au pire des cas, du coup, tu fais point d'exclamation WOT dans le chat et c'est good. Merci d'avance, c'est super gentil. Oh là, ok. Nous creusons depuis plus d'un mois, et je commence à me demander ce que nous faisons vraiment ici. On peut voir d'anciennes ruines de pierre au-dessus du sol, ainsi que d'autres ruines découvertes sous terre. Une sorte de temple abrité dans une grande caverne a été découverte dans l'une des autres mines. Sommes-nous vraiment en train de creuser pour trouver des filons d'or? Ok, j'ai chopé une clé. Ça va être là-dedans. Ouais, c'est ici. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des masques, c'est des masques. J'ai cru que c'était un cadavre. Non, non, c'est des masques. Oh non, sérieux, pas toi. Non, pas maintenant. La mission est terminée? Y'a pas besoin d'aller rendre le truc? Ok, jackpot. On va pouvoir faire une marche arrière, du coup on a une nouvelle arme. Nickel. Salut Néo! Bonjour à toi, comment vas-tu Néo, ça roule? Ah ouais! Ah ouais, d'accord, ok. Ah là, ça rigole plus, ça y est. Ah mais t'as une portée de dingue avec ça, c'est cool. C'est nickel. Bon, il nous reste plus que deux missions à faire les amis. Il va y avoir la mission donc on va devoir poser des explosifs sur le pont. Et l'autre mission... Il est où là? Dans les parages? L'autre mission, ça va être du coup de récupérer le troisième œuf, je pense.
RAS sur Chrome ou Firefox, le bloqueur de pub, c'est sûrement cette dope d'Adblock qui fout le boxon. Oui, voilà, il faut que tu penses à désactiver l'Adblock du coup, si tu veux faire du coup la. Si tu veux participer pour l'OP, effectivement. C'est le petit truc obligatoire, sinon ça fonctionne pas. Trusted me with a key to one of the mines containing an egg, but before I give it to you, I have to warn you about something. There's an ancient shrine on the island, a pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. The prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monster eggs. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mine key. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this hell. Nickel, alors elle se trouve où cette fameuse mine? Ça marche. Ah non! Non, non! Non, non, non! Putain, mais il me fait mal l'enfoiré. Oh la vache, il a détruit le train. Mais non, il a détruit mon train. Pauvre Prianji, tu lui as apporté malheur. Mais de ouf. Je suis désolé. Mais c'est clair. Ah, j'ai ramené les emmerdes là, t'as vu? Mais grave. Mais c'est qu'on a ramené les emmerdes, putain. Bon, là c'est la mine où on doit aller, ok. L'équipe protège l'œuf tout en réalisant d'étranges travaux près de la mine effondrée. Donc on va aller faire cette mission, placer les explosifs, et après on va aller donc récupérer le dernier œuf. Let's go. Nickel. Salut Knight, tu vas bien Knight Shinobi? J'adore tes lives, Vark, c'est toujours un moment très agréable. Merci beaucoup. Merci pour ton message, Paulet. Et merci d'être là, merci de ton soutien. Voilà, c'est mieux là, comme ça. C'était pas la grosse patate. Mets le frein, Vark. On va passer les explosifs. Alors Paul, il était où déjà? Paul était pas très loin. J'ai pas signé pour vivre ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ton jeu qui fait... Ah mais t'as peur du jeu? Non vraiment ça te fait peur par contre? C'est vrai ça te fait peur du coup. Note de la réunion de mutinerie. J'ai discuté de notre dernier plan de bataille avec tout le monde et personne n'a eu d'objection.
L'équipe est en phase avec ce qu'elle doit faire et se chargera de mettre en place la voie une fois le moment venu. Nous comptons sur l'archiviste pour frapper cette bête à bonne distance et mettre Charles, à genoux. Je suis désolé, Charlie. Mon père devrait être de retour dans 2 jours. Nous lui confierons ainsi qu'au chasseur les clés et les autres provisions récupérées. Nous n'avons jamais eu l'intention de prendre des mesures aussi dures contre Warren et les autres mineurs, mais ils ne nous ont pas laissé le choix. Nous devons mettre fin au règne de Charles et Warren. Nous nous barrons. Nous ne barrons pas la route. Alors attends, il est passé où notre pote là? On est dans la bonne baraque? Ah, on est dans la bonne baraque pourtant. Ah, le voilà. Ça, on l'avait déjà vu, je crois. That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can. Ah oui, c'est vrai que tu es arachnophobe, du coup, là, effectivement, l'araignée train, ouais, te met la pression, ouais, je comprends, ouais. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Here, take this. It's the key to the temple. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. Attends. Alors c'est quoi ça? Invoquer Charlie avec les œufs et mettez fin à son règne. Ok, ça c'est la mission finale. Cool, ça roule. Et là, bon bah les amis, on se rapproche doucement mais sûrement de la fin du coup. Là, on partira là ici sur la droite. On va faire cette mission et après on pourra s'arrêter là. Nickel. Tu vas être choqué quand tu auras tous les œufs. C'est vrai? Je vais être choqué. Salut Mute. Salut à toi, ça roule? Filtre arachnophobe proposé par le jeu. Non, il n'y a pas de filtre arachnophobe, je crois pas. Salut Toto, bienvenue sur stream, merci pour le follow. On va dans le bon sens. Les mecs de la région sont tous morts ici, c'est bon. Ça c'est fait. C'est bien là? Est-ce qu'en février tu vas passer à la voie 9-3-4? 9-3-4? Attends. Comment je vais pour rentrer là-dedans? Ah, c'est là. Ok. Il doit y avoir l'entrée de la mine ici. Ouais, c'est ici, nickel. Bon, on a les clés et tout. Je récupère quand même les débris parce que je me dis que ça peut être utile. Peut-être qu'il y a un succès en mode récupérer 1000 débris ou je sais pas. Alors. No trespassing. Putain! C'est dingue, à niveau discrétion, moi ça veut pas, hein, j'y arrive pas. Hein. Y'a rien à faire. Hein. Oh putain, fais chier, me dis pas qu'ils vont sauter. Non, c'est bon, ils sautent pas. C'est cool, tout va bien. Salut Melostady, tu vas bien?
Putain, elle a l'air d'être gigantesque cette mine là. Ça a l'air d'être encore plus grand que les autres mines. A tous les coups, ça c'est pour un pot de peinture. Ah, oh, fais chier, c'est pas vrai, putain. Il va y avoir un succès, à mon avis, on doit récupérer tous les pots de peinture. Mais non, mais Varg, mais tu joues comme un noob. Totalement. C'est terrible. Ah, et ben voilà, hé, le pot de peinture rouge. Ça valait le coup de galérer. Je vais prendre technicien la prochaine fois que je joue avec toi. Putain de merde. Non mais non mais non mais non mais non. Arrêtez. Ah la vache putain. En train de me faire défoncer. Il lâche pas l'affaire hein. C'est terrible. C'est bon. Allez, tranquille. Bah, il nous reste plus qu'une mission, les amis. La dernière mission, et on a terminé le jeu. Ou pas, après tout, je ne sais pas. Peut-être qu'il reste encore des trucs à faire. Salut Ayo, ça va? Donc c'est ça la fameuse... Non mais putain, mais ils sont chiants eux. Ils sont partout. Alors, on va avancer un peu. Et on va se les faire. Oh le pauvre, on lui a carrément cramé la tronche. Alors attends, la petite mitraillette, elle fera très bien le taf. Là, y'a plus personne. On va réparer ça. Nickel, on peut faire une petite marche arrière, let's go. J'ai vu sur Instant Gaming qu'il y a un DLC Conjuring sur DBD. Non, non, c'est des suppositions, mais non, non. Il n'y a pas de DLC Conjuring. C'est juste des suppositions en vrai. Et pourquoi je pars par là du coup? Oh merde. Bon, c'est pas grave, on va devoir faire un petit détour du coup. Je crois que tu t'es trompé de côté. Ouais, mais il y a rien pour changer la direction, malheureusement. Du coup, je crois que je peux rien faire là. Celle-là, j'ai pas la possibilité de choisir la direction, il me semble. Donc là, je dois retourner là, repasser par ici. Bref, c'est le bordel.
Ah c'est bon, c'est la bonne direction je crois. Oui, c'est good. À droite. Normalement c'est good. Ouais, nickel. Salut Agostino, merci pour les deux bons abonnements au Prime. Merci Paulet, merci beaucoup. Ouais, j'ai vu ça, Mr. Blue, ouais. En même temps, Elden Ring mérite de prendre son GOTY, en vrai. C'est... Le jeu est tellement cool que... Il mérite de ouf. Merci pour le follow, les amis, et bienvenue à vous. Master, merci beaucoup. Master, incroyable! Master, c'est insane, merci Paulet. Tu débarques, tu follow, tu t'abonnes direct. C'est insane! Merci Master, bienvenue parmi nous Paulet. Et merci de ton soutien, merci beaucoup. Donc, on est de retour au fameux endroit. J'espère que je vais pas me refaire emmerder cette fois-ci par Charlie. Hein. Mais on est déjà venu ici, vous vous rappelez ? On est déjà venu ici! Alors, pas à l'intérieur par contre. Ok, et trois œufs? Down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. No! No! You fool! You doomed us all! Voilà! De merde. Ah bah vas-y, fais chier, je trouve pas la bonne arme. Yeah.
pleine tête là, bim. Eh, franchement, GG. Oh, franchement, GG. Franchement, c'était cool. C'était cool. Ah, c'était cool. Franchement, c'était cool. Le jeu était cool. Après, bon, 20 balles, c'est peut-être un peu cher. Mais j'étais pas au courant que la personne bossait seule sur le projet. Donc, franchement, GG, hein. Parce que putain, sacré boulot quand même. Hein. Mais le jeu était vraiment, vraiment très drôle. Franchement, c'était bien cool. Ça doit être sympa pour les gens qui ont peur de... Ouais, pour les gens qui ont peur des araignées, en vrai, ça doit être chaud par contre comme jeu, ouais. J'avoue. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que le jeu était vraiment très chouette. C'était vraiment très fun à faire. Un peu court par contre, malheureusement. Peut-être un petit peu court. Merci en tout cas d'avoir suivi cette aventure, les amis. Merci à vous, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis éclaté, je suis content de l'avoir fait à 100%, d'avoir fait vraiment toutes les petites quêtes secondaires à côté et tout. Je trouve que c'était vraiment très fun. Que se passe-t-il? Va-t-il y avoir un chouchou Charles 2? Ça sent le chouchou Charles 2. La suite. Incroyable. Salut Zeno. Merci Chauffeau, merci. What? Regarde tous les œufs! Incroyable! C'est des œufs tout ça? Oh putain de nom de Dieu! Le dev il s'est tapé un délire à la fin en mode. Il va y avoir une suite! Eh ben dis donc, famille nombreuse! En perspective! C'est joli. Ouais, franchement, c'était sympa! C'était très sympathique en vrai comme jeu. Ouais, j'ai vraiment kiffé cette aventure. Alors du coup, je m'adresse à vous sur YouTube. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens à m'excuser du coup d'ailleurs parce qu'on a parlé un petit peu donc de World of Tank durant la vidéo parce qu'on est en pleine OP actuellement donc sur World of Tank. Donc là, je tiens à m'excuser du coup d'avoir parlé de ça durant la vidéo. Si vous voulez soutenir, si jamais vous souhaitez du coup soutenir pendant l'OP, je mettrai le lien donc de World of Tank du coup c'est disponible jusqu'au 27 janvier. Voilà, il n'y a pas d'obligation évidemment. Merci d'avance, merci de votre soutien, merci de votre compréhension. Des bisous les Vargas sur YouTube. Et bonne journée à vous. J'espère que vous aurez kiffé cette aventure parce que putain, c'était vraiment une tuerie ce petit Tchoulchou Charles. C'était vraiment très sympathique.